Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 5 octobre. Bienvenue dans À l'air libre depuis ma cuisine. Vous le voyez, À l'air libre est à nouveau réalisé en visio par précaution sanitaire dans l'équipe. Jusqu'à quand, on ne sait pas, on verra. On vous espère en tout cas fidèle au rendez-vous. Au sommaire de cette émission, la future loi sur le séparatisme islamiste ne risque-t-elle pas d'accroître l'islamophobie en France après le discours d'Emmanuel Macron au Mureau débriefing avec Laetitia Bucaille, chercheuse à l'INALCO. Nous sommes très fiers de la recevoir dans À l'air libre, le professeur Françoise Barré-Sinoussi est virologue, prix Nobel de médecine en 2008 pour la découverte du VIH. Sa parole est rare dans les médias ces derniers mois. Retour avec elle sur la politique sanitaire du Covid en France. On parlera aussi des motivations des anti-masques avec le chercheur Antoine Bristiel. Bienvenue dans À l'air libre, saison 2, 13e épisode. Emmanuel Macron a enfin prononcé son discours sur le séparatisme. Il ne fut pas question des séparatismes de l'extrême droite ni des sectes, mais du séparatisme islamiste, avec près de 30 occurrences du mot islam ou de l'adjectif islamique, j'ai compté, et une dizaine de fois le mot islamisme et islamisme, au risque peut-être de tout mélanger. Avec nous pour en parler, Laetitia Bucaille, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'INALCO, vous avez co-dirigé avec Agnès Vilches « Désir d'islam », portrait d'une minorité religieuse en France qui vient de paraître aux presses de Sciences Po. Mais d'abord, si vous voulez bien, écoutons donc le président, c'était vendredi au Mureau, dans les Yvelines. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux et... Il y a, dans cet islamisme radical, puisque c'est le cœur du sujet, abordons-le et nommons-le, une volonté revendiquée, affichée, une organisation méthodique pour contrevenir aux lois de la République et créer un ordre parallèle, ériger d'autres valeurs, développer une autre organisation de la société, séparatiste dans un premier temps, mais dont le but final est de prendre le contrôle complet, celui-ci. Laetitia Bucaille, nommons-le, dit le président, si on le prend au mot, y a-t-il vraiment en France aujourd'hui une menace que des islamistes radicaux prennent, comme dit Emmanuel Macron, le contrôle de la société ? Non, je ne crois pas. Ça fait un peu penser au livre Soumission de Houellebecq. Ce risque-là, à mon avis, est très faible. En revanche, bien sûr, il y a d'autres risques. Il y a d'une part le risque... du djihadisme, du terrorisme, qui est bien présent. Et puis, il y a quelque chose que l'on peut redouter, qui est une... Alors, le président parle de séparatisme, on a parlé de communautarisme, on peut craindre qu'une partie, très, très numériquement très faible de la population, soit tentée par un mode de vie, par l'adhésion à des valeurs, qui soit effectivement en rupture, en tout cas en éloignement avec la société dominante. C'est vrai que ce phénomène existe. Maintenant, il faut faire attention à ne pas bâtir un continuum entre le terrorisme islamiste ou le djihadisme, là, quelques dizaines de milliers de salafistes qui optent pour un mode de vie qui effectivement, qui vivent ensemble à l'écart de la société, et puis, un certain nombre de musulmans qui sont croyants, qui sont quelquefois des croyants pratiquants, qui revendiquent leur pratique de l'islam et qui sont certainement pas des séparatistes, qui justement, au contraire, veulent s'intégrer dans la République, mais qui quelquefois, justement, rencontrent des difficultés à s'intégrer, à être acceptés, en tant que même et en tant que musulman. Alors Laetitia Bucaille, notre journaliste Hélène Salvi a résumé ainsi l'intervention du président Macron. Séparatisme, Macron prescrit l'antidote et instille le poison, écrit-elle, cherchant un équilibre pour éviter le piège de l'amalgame. Il a toutefois cédé aux pressions de ceux qui souhaitaient voir ce sujet porté à l'agenda en ouvrant un boulevard aux crispations identitaires. Autre élément de réflexion, réaction ce week-end dans le club, une tribune de 100 citoyens musulmans. Ils sont de toute classe sociale et de toute profession et disent « Nous assistons malheureusement dans de longs silences coupables à la mise sous contrôle et sous accusation constante de millions de citoyens. Les gouvernements successifs n'ont eu de cesse, un mandat après l'autre, une nomination après l'autre, de rejouer le grand soir où l'on viendrait à bout, où enfin l'on viendrait à bout de la chimère que l'on était si besogneusement échiné à créer, en l'occurrence la menace
musulmane. Laetitia Bucat, est-ce que vous partagez ces craintes? Est-ce que Emmanuel Macron a ouvert, d'une certaine façon, une boîte de Pandore qui permettra que, justement, le glissement dont vous parliez devienne possible, c'est-à-dire en voulant parler des séparatistes, de séparatisme islamique, de gens qui veulent se mettre à l'égard de la société, qu'en fait, là, on ouvre une boîte de Pandore beaucoup plus large pour stigmatiser les musulmans? Je ne crois pas que ça serait, que ça soit Emmanuel Macron qui ait ouvert cette boîte. Hein, si ouais. Cette boîte a certainement été ouverte, elle a été ouverte il y a déjà quelques années, voire quelques décennies. Et je ne pense pas qu'on peut lui faire porter comme ça cette responsabilité. D'ailleurs, il y a un certain... Effectivement, alors, quand il y a un équilibre dans un discours politique, on peut dire qu'il y a de la, qu'il y a du renoncement de part et d'autre, bien sûr, mais... Il y a quelque chose, quelques petites choses quand même qui sont positives dans le discours d'Emmanuel Macron. Bon, il dit en tout cas qu'il ne veut pas faire d'amalgame. Alors peut-être qu'il ne donne pas suffisamment de gages aux musulmans de France sur le refus de faire de l'amalgame. Mais sans doute, comme beaucoup d'autres hommes politiques, il y a peut-être de la maladresse, mais sans doute pas une volonté d'amalgamer les uns aux autres et une conscience que... Emmanuel Macron a certainement conscience, comme beaucoup d'autres hommes politiques et beaucoup de Français, en fait que la plupart des musulmans français ne sont pas du tout en train d'être tentés par la séparation, par le séparatisme, hein, comme il le nomme. Oui, c'est un mot d'ailleurs que vous aimez pas trop dans le livre, vous dites, hein, c'est un mot qui a pour conséquence délétère d'accentuer la vision justement d'un clivage entre les musulmans et les autres, ce mot de séparatisme. Ben, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met dans le terme de séparatisme? Si on parle des terroristes djihadistes, bien sûr qu'ils sont dans le séparatisme. Ils sont sous l'emprise d'une idéologie, ils sont à part. Si on parle des salafistes qui peuvent être quiétistes, hein, c'est-à-dire qui ne choisissent pas la violence, eux aussi se mettent à part de la société. Mais c'est une toute petite minorité. En revanche, il y a tout un tas de musulmans. Par exemple, comment est-ce qu'on va qualifier le fait de manger halal ou de mettre un voile? Quand on mange halal, est-ce que c'est du séparatisme? Quand on mange vegan, est-ce que c'est du séparatisme? Vous voyez, ça, on peut s'interroger, on peut en discuter. Le problème, c'est souvent ce que nous, on a essayé de montrer dans ce livre, parce qu'on ne s'est pas du tout intéressé ni au phénomène terroriste, non pas qu'on le nie, hein, mais ce n'était pas notre objet dans ce livre, ni aux salafistes, ni au mouvement salafiste. On s'est intéressé à des musulmans qui sont souvent des musulmans pratiquants, qui ont une relation, qui sont quelquefois des musulmans rigoristes, mais qu'on ne peut pas qualifier de séparatistes. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de ces musulmans regrettent que lorsqu'ils s'affichent en tant que musulmans, par certes des signes extérieurs, en fait, on en conclut qu'ils sont réticents à la République. Alors que beaucoup de ces musulmans, tout en voulant pratiquer leur religion et l'afficher, c'est aussi une demande de reconnaissance identitaire, bien entendu, ils affichent ces signes religieux, mais en même temps, ils entendent être partie intégrante de la société, oui. Et ils adhèrent à la République et ils adhèrent aussi à une certaine laïcité. Je crois que vous avez d'ailleurs particulièrement, vous travaillez en terrain sur les femmes voilées, les femmes qui portent le voile, des femmes qui sont imprégnées de la croyance, se pratiquent leur foi. On les voit rapidement comme des femmes victimes souvent de l'oppression masculine et religieuse, hein, de l'homme musulman évidemment, qui, ça c'est la perception qu'on a souvent dans tous nos débats publics, dans nombre de couvertures de magazines. Vous expliquez que les logiques à l'œuvre, elles sont en fait... bien plus compliqué et parfois plus intime. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous expliquer ce qui est à l'œuvre là? Oui, alors bien sûr, les logiques sont plurielles, c'est pas le même schéma pour toutes les femmes. L'objet n'est pas de dire qu'il n'y a pas de cas d'oppression, mais beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes, hein, parce que c'est plutôt un phénomène qu'on voit se développer chez les jeunes, chez les moins de 30 ans, ces jeunes femmes ont fait le choix elles-mêmes et parfois contre l'avis de leurs parents de porter le voile. Et c'est à la fois une affirmation contre un patriarcat qu'elles dénoncent au sein de leur famille, au sein de leur communauté d'origine, et c'est aussi une façon de réhabiliter une identité collective qu'elles estiment dévalorisée.
C'est vraiment, il y a cette idée de, puisqu'on n'est pas accepté complètement en tant que jeune maghrébine, en tant que jeune descendante d'Algériens, de Marocains, et qu'on a toujours des petites réflexions qui ne sont pas forcément des réflexions méchantes, mais qui ponctuent le quotidien. Il y a un moment donné où, pour faire face à cette agressivité ou ces obstacles sur lesquels on bute, ce racisme, hein, disons-le, eh bien, on affirme cette identité reconquise qui se fait à travers la religion et qui est une identité qui se veut fière et qui, justement, permet aussi de se détacher du stéréotype qu'on a sur la communauté immigrée, pleine de problèmes sociaux, versant dans la délinquance. Là, justement, on affiche des valeurs morales très hautes. C'est aussi une façon de critiquer la société matérialiste, la société de consommation, et de vraiment essayer de présenter une image de soi valorisée à travers des valeurs et à travers une pratique exigeante, et en affirmant très visiblement son identité. Merci beaucoup Laetitia Bucaille. Vous venez de publier donc ce livre « Désir d'islam, portrait d'une minorité religieuse en France » aux presses de Sciences Po, où l'on rappelle… avec Agnès Vilches, où on rappelle que les 4 millions de musulmans, à peu près, ne sont pas tous, en effet, les séparatistes, peut-être, que d'autres voudraient voir, en effet, dans la société française, loin de là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et nous ouvrons notre dossier du jour sur la politique sanitaire. Si ça vous avait échappé, on ne sait pas comment vous faites, mais au cas où, nous sommes bien dans la deuxième vague, peut-être au début de la deuxième vague du coronavirus, avec des hospitalisations qui augmentent. Et depuis ce lundi, Paris et les trois départements de la Petite Couronne en zone d'alerte maximale, avec notamment les bars fermés en région parisienne pour 15 jours. Avec nous, Françoise Barré-Sinoussi, virologue à l'Institut Pasteur et prix Nobel de médecine en 2008. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes très fiers de vous recevoir parce que votre parole est assez rare. Vous êtes une des co-découvreuses du VIH, également présidente du CARE entre mars et 2020. C'était un organisme un conseil scientifique, on va dire, qui a travaillé auprès du président de la République sur la politique de test, notamment. On va en reparler. Un mot sur le prix Nobel de médecine, peut-être attribué aujourd'hui aux Britanniques Michael Houghton et aux Américains Harvey Alter et Charles Rice pour leurs travaux sur l'hépatite C. Première fois depuis 12 ans, depuis votre prix Nobel, la recherche sur un virus est récompensée. Décidément, c'est d'actualité, non ? Oui, tout à fait, c'est d'actualité. Je suis particulièrement ravi de cette décision, finalement, d'attribuer le Nobel à des chercheurs qui ont travaillé sur l'hépatite C et qui, leur travail a abouti, comme vous le savez, à un traitement qui permet de guérir les patients de l'hépatite C. Alors, c'est un beau Nobel. Françoise Barré-Sinoussi, on l'a dit, de nouvelles mesures restrictives aujourd'hui à Paris et en Île-de-France qui suivent d'autres mesures restrictives ces dernières semaines. Est-ce qu'elles étaient nécessaires ? Oui, elles sont nécessaires, ça c'est clair, puisque vous l'avez dit vous-même, on est dans une phase où à nouveau le nombre d'infections augmente, il y a de plus en plus de malades hospitalisés, il y a de plus en plus de patients en réanimation, donc bien sûr qu'il fallait prendre et il faut prendre des mesures pour essayer de réduire cette dissémination du virus dans les différentes régions. Est-ce que ça va assez loin pour vous ou est-ce que d'ores et déjà on sait qu'il faudra aller vers d'autres mesures peut-être plus restrictives encore ? Moi, j'espère que ça va suffire. J'espère forcément parce que, bon, on ne voudrait pas arriver à nouveau vers un confinement généralisé. Je ne crois pas qu'on arrivera à un confinement généralisé, très sincèrement. Je pense qu'on peut penser peut-être à un confinement localisé si nécessaire, mais j'espère une fois de plus qu'on n'arrivera pas là et que chacun et chacune va prendre justement ses responsabilités pour tout faire pour que ce virus, on arrive à le contrôler dans différentes régions, y compris en Île-de-France.
Question de Béotien, mais la question que tout le monde se pose, hein, est-ce que tout simplement on en a pour longtemps, en gros, de ce virus? Est-ce que nous allons vivre longtemps avec ce virus dans nos vies, avec les risques, la question des cas contacts, des tests, des tests qu'on fait à nouveau? J'aimerais bien avoir la réponse à cette question de combien de temps on va vivre avec ce virus. Je ne l'ai pas, mais je crains qu'on ait à vivre quand même plusieurs mois avec lui, en tous les cas, tant qu'on n'a pas de vaccin efficace pour contrôler l'infection, pour prévenir l'infection, on va devoir vivre avec ce virus pendant encore des mois. Alors, vous avez été présidente, on l'a dit, du CARE, donc cet organisme où il y avait des scientifiques chargés notamment de parler de la question des tests, des diagnostics. Il y a actuellement encore des délais très importants pour se faire tester. Vous avez, quand vous étiez dans cette position, insisté sur le fait qu'il fallait augmenter le nombre de tests. Est-ce que le gouvernement a été assez vite et est-ce qu'il faut accélérer encore le rythme? On sait que certains pays et certains épidémiologistes disent qu'il faudrait aller beaucoup plus vite et avoir des capacités de tests beaucoup plus importantes. Alors moi, les capacités de test, on a quand même sacrément augmenté hein, les capacités de test. Ce qui me préoccupe, c'est d'une part, on augmente les capacités de tester, mais d'autre part, on voit derrière que ça ne suit pas quant à rendre les résultats vite. Et ça, ce qui n'a pas de sens, du coup, quand on a le résultat trop tard, ça n'a plus de sens. Il faut absolument donner les résultats le mieux, c'est dans les 24 heures qui suivent le test. C'est ce qui avait d'ailleurs été recommandé, notamment par le Conseil scientifique. Donc, il faut tester, oui, mais il faut absolument donner les résultats le plus vite possible et isoler le plus vite possible. Le fameux tester, tracer, isoler, c'est réellement très très vite qu'il faut le faire. Pour moi, il y a un problème d'organisation. Et qu'est-ce qui bloque alors justement? Pour moi, il y a un problème d'organisation de ces tests, des plateformes de tests, de façon que les résultats soient donnés le plus vite possible par l'ensemble des laboratoires. Il faut peut-être augmenter les capacités de cette plateforme et surtout du rendu des résultats par ces plateformes. Et il faut améliorer le traçage parce que visiblement, là aussi, on a un problème. Alors, c'est sûr que des applications comme Stop Covid qui sont pas suffisamment utilisé pour avoir la moindre efficacité, ça c'est un problème. Si on pouvait augmenter les utilisateurs de Stop Covid, ça serait déjà une bonne chose, à mon avis. D'ailleurs, nous, en tant que comité CARE, on avait recommandé cela. On avait recommandé aussi, pour augmenter la capacité des tests, par exemple, à faire des tests randomisés en regroupant les prélèvements de façon à tester sur un pool finalement de prélèvements, et si le pool sortait positif, à ce moment-là de tester échantillon par échantillon le plus vite possible pour savoir qui était positif dans un ensemble de prélèvements groupés. Ça, ce sont des techniques qui ont déjà été utilisées il y a déjà longtemps et qui ont montré leur efficacité. Bref, il y a encore des améliorations à faire. Oui. Mais quand même, qu'est-ce qui empêche de le faire? Parce que d'autres pays le font. On met de côté peut-être un peu Stop Covid, parce qu'il y a tout un débat sur, par ailleurs, les données, etc. Mais, les données, ça, je veux dire, les gens utilisent des applications à tout va. Sont tracées à tout va. En tout cas, ça n'a pas été très utilisé. Mais du coup, qu'est-ce qui fait ces problèmes d'organisation? Je veux dire, si d'autres pays arrivent à le faire, pourquoi pas nous? Alors, je n'ai pas la réponse à votre question. Là, vous me posez une question, je ne sais pas, finalement. Je ne sais pas suffisamment bien comment les choses s'organisent. Ce que je vois, c'est le résultat. Et le résultat, il y a un problème d'organisation pour ces tests. Il n'y a pas seulement le problème des laboratoires qui sont surbookés. Il y a aussi, au-delà des laboratoires, peut-être qu'il faut augmenter justement les capacités des laboratoires de façon à ce que les résultats soient rendus le plus vite possible. Il faut que ça rentre dans des banques de données, d'informations et de données plus rapidement que cela. Donc, peut-être qu'il manque du personnel, c'est possible. Mais ça, c'est une hypothèse, je n'en sais rien, parce qu'il faut réellement justement faire une étude pour savoir à quel niveau que ça bloque.
Message envoyé donc au président de la République. Bonjour Antoine Bristiel, vous êtes chercheur en sciences sociales à Grenoble. Bonjour, vous avez travaillé sur cette réaction notamment à la politique sanitaire en posant des questions aux membres de groupes Facebook anti-masques. Avec Françoise Barressine aussi, on a commencé à parler justement de la politique sanitaire et de ses manques, et elle provoque des réactions. Cette étude publiée par la Fondation Jean Jaurès début septembre, on la voit. Votre constat, je la résume à gros traits, c'est que ces réactions sont d'abord la manifestation d'une énorme crise de défiance, c'est bien ça ? Oui, exactement. Et il y a différentes études qui ont été faites, donc dans mon cas sur les anti-masques, mais même avant sur le phénomène Raoult et dans d'autres pays sur l'acceptation des mesures sanitaires. Et on se rend compte très clairement que plus la défiance envers les institutions est grande, plus le respect des mesures sanitaires va être compliqué à faire accepter dans la population. Alors, qui sont les anti-masques précisément ? Vous en dressez un profil qui n'est pas forcément attendu. Hein. On dit souvent les anti-masques, c'est les mêmes que les gilets jaunes, etc. On fait un amalgame entre différentes contestations et vous dites que ce n'est pas forcément du tout la même chose. Mais non, là, on avait des résultats qui étaient extrêmement particuliers dans le sens où d'habitude, ce sont plutôt des personnes qui sont issues des classes populaires avec un niveau d'éducation assez faible. Or là, on va avoir des personnes qui sont extrêmement défiantes et qui proviennent pour le coup de catégories sociales supérieures. On a le double de cadres que dans la population française. On a des personnes qui sont assez éduquées avec en moyenne un bac plus 2 et aussi assez âgées avec en moyenne une cinquantaine d'années. Donc un profil tout à fait atypique et en tout cas pas du tout ce à quoi on aurait pu s'attendre. Il y a un mot qui revient souvent, et je poserai ensuite, ça sera l'occasion de poser aussi la question à Françoise Barressine aussi, sur comment est comprise la politique sanitaire telle qu'elle est menée. Il y a un mot qui revient souvent, y compris dans les reportages qu'on a pu faire, c'est cette idée que le masque est une muselière. Il est souvent appelé la muselière, comme une sorte de métaphore de finalement d'autres répressions sur l'expression finalement des gens dans la société. Ça fait forcément écho dans un pays où par ailleurs les violences policières contre les mouvements sociaux sont massifs depuis 3 ans, où il y a ce climat-là, non ? Oui, bien sûr. On se rend compte que dans les motivations des anti-masques, dans les raisons qu'ils évoquaient pour justifier leur opposition au masque, il y avait deux arguments principaux. Le premier argument, c'était de dire que le masque était inutile ou que le masque était dangereux. Et le second argument, c'était de dire que finalement, le masque n'aurait été qu'un test de la part des gouvernements pour essayer de tester justement la servilité de la population dans le but d'instaurer une sorte d'ordre mondial dans lequel les citoyens seraient totalement privés de liberté. Donc à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y a un vrai problème de défiance beaucoup plus global que seulement à ce moment-là sur la question sanitaire. Alors il y a une autre figure évidemment qui a émergé, c'est le virologue Didier Raoult à Marseille, devenu une star pendant cette crise, alors qu'il était inconnu du grand public. Il y a quelques mois, il proclame son anticonformisme, conteste la politique sanitaire, notamment en mettant en avance l'hydroxychloroquine, dont les effets sont pourtant très contestés. Vous aussi, vous avez enquêté d'ailleurs sur les soutiens de Didier Raoult dans les groupes Facebook qui le soutiennent. Comment vous expliquez son surgissement et surtout le fait qu'au contraire, beaucoup de gens considèrent que c'est lui qui dit la vérité ? Ben, disons que les motivations des anti-masques et les motivations des fans de Didier Raoult étaient relativement similaires, dans le sens où c'était des personnes qui étaient extrêmement défiantes là aussi envers les institutions et qui voyaient dans la figure de Didier Raoult l'opposant numéro un à la politique du gouvernement, aux décisions prises par les différentes institutions officielles, qu'elles soient politiques ou médicales. Et à ce moment-là, Didier Raoult apparaissait comme leur héros puisqu'il allait à l'encontre de ces institutions. Merci beaucoup Antoine Bristiel, merci beaucoup. On lit donc vos notes et études sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes spécialiste sociologue, spécialiste du politique, chercheur en sciences sociales. Merci beaucoup d'être venu avec nous dans À l'air libre. Merci beaucoup. Françoise Barressine aussi, on revient à vous. Que vous inspirent les travaux d'Antoine Bristiel ? Il montre qu'il y a une politique sanitaire qui a forcément navigué beaucoup. Au début, il y a eu, ce manque de masques, la communication du gouvernement qui au départ nous dit « il ne faut pas mettre de masque ». Puis aujourd'hui, on voit bien des mois après, le masque est devenu obligatoire quasiment partout dans nos vies, dans le moindre geste de nos vies. Est-ce que vous comprenez ces réactions parfois très défensives, voire hostiles, d'une partie des gens, alors même que la pandémie se déploie et qu'ils peuvent le voir dans leur vie ou chez leurs proches ? Je comprends en tous les cas en partie, bien sûr, cette méfiance, cette défiance
à cause des contradictions qu'il y a pu y avoir depuis tous ces derniers mois sur les messages qui étaient à l'opposé. Au début, on disait qu'il ne fallait pas mettre de masque. Après, on a dit qu'il faut mettre les masques. Les contradictions aussi entre les chercheurs ou les médecins qui sont passés dans les médias tout au long de ces derniers mois. Moi, j'en arrive à comprendre effectivement que le grand public ne sache plus vraiment qui croire et où il en est. Ça me paraît assez compréhensible. Et moi, je pense que l'étude dont on vient d'entendre parler est tout à fait intéressante en soi et montre bien combien on a besoin, entre autres, des sciences sociales et humaines pour comprendre un petit peu l'attente et les questions que se pose le grand public. Donc, c'est quelque chose qu'on encourage, d'ailleurs, tout ce type d'études. Donc, moi, je les comprends. Je sais aussi que pour les masques, il y a eu une évolution dans la connaissance scientifique. Au départ, on ne savait pas que le virus était propagé par les aérosols. Donc à ce moment-là, tant qu'on n'avait pas cette information et qu'on pensait que finalement c'était que les postillons qui transmettaient le virus et qu'il n'y avait pas les aérosols, donc le masque, ça s'expliquait pas trop de mettre un masque. Et en plus, on avait, vous l'avez dit vous-même, ce problème d'approvisionnement de masques qui n'était pas là. On n'avait pas de masque. On n'avait pas de masque et on n'avait pas d'informations qui nous disaient qu'il fallait absolument mettre des masques. Donc voilà. Et au bout d'un moment, on apprend, qu'il y a des transmissions par aérosol. Et donc, il faut mettre des masques. Et il se trouve qu'ensuite, on a pu avoir accès à des masques. Donc, il y a des changements et des évolutions dans nos connaissances qui amènent aussi le grand public à pu bien comprendre pourquoi un temps X, faut pas faire cela, et un temps Y, il faut le faire. Alors, c'est tout à fait compréhensible. Justement, vous avez parlé aussi des scientifiques, justement, qui parfois ont une parole qui peut induire en erreur. C'est intéressant parce que on peut rappeler rapidement l'histoire. Le 20 mai 83, vous êtes à l'Institut Pasteur, vous publiez dans la revue Science la découverte d'un nouveau rétrovirus qui sera renommé le VIH, peu de temps après, pas pour vos travaux donc majeurs décisifs sur le sida. Vous avez reçu en 2008 le prix Nobel de médecine aux côtés d'un autre médecin, on le voit à gauche sur la photo, là c'était vous en 1983 avec au milieu Jean-Luc Sherman, un peu l'oublié de l'histoire, qui n'a pas eu le prix Nobel alors qu'il était avec vous pour ce travail, et vous avez d'ailleurs regretté ça. Jean-Luc Montagnier, il fait partie des gens qui ont mis le doute d'une certaine façon au début de cette crise. Il a été un des premiers, par exemple, à affirmer que le Covid avait été fabriqué en laboratoire, une théorie qui ne se base sur aucun fait aujourd'hui. Quand certains scientifiques, quand Montagnier parle, évidemment, on l'écoute parce qu'il a eu le prix Nobel avec vous. Est-ce que certains scientifiques donc n'ont pas aussi participé à des informations? Je pense qu'il y a eu, bien sûr, une contribution de certains scientifiques ou de certains médecins. Je pense aussi, les scientifiques, les médecins certainement, mais j'allais dire la presse aussi, les médias aussi, parce que tous ces derniers mois, et vous l'avez dit vous-même, je ne me suis pas beaucoup exprimé dans les médias, c'est en partie pour cela, parce que je trouve regrettable de voir sur les chaînes qui tournent en boucle des médecins, des chercheurs qui viennent sur les plateaux et qui finalement se contredisent les uns les autres, invités par les médias volontairement qui s'en amusent, alors que sur le principe, il faut quand même pas oublier que la contradiction dans le domaine scientifique, ça fait partie de la science. Donc vous auriez juste un peu plus de réserve de la part des médecins? Des médias, certainement, en tous les cas. Je pense que les médias ont joué un rôle néfaste. Malheureusement, là, ça m'a rappelé aussi le rôle néfaste qu'ils avaient pu jouer au début des années SIDA, dans les années 80.
Pourquoi ? N'oublions pas un certain nombre d'informations fausses ou erronées, en tous les cas, qui ont pu passer et que l'on paye encore aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard. Donc, je dois dire que ça m'a beaucoup rappelé quand même ce début des années 80. Et là, en plus des médias, je dirais qu'il y a les réseaux sociaux qui jouent un rôle assez dramatique quant aux informations erronées ou même, je veux dire, certains, on avait l'impression que c'était des complots. Donc, on arrête ce genre de choses et on essaye d'être raisonnable et raisonné par rapport à l'état de nos connaissances scientifiques et médicales qui doivent, pour moi, toujours être à la base des décisions politiques. Alors après, les décisions politiques, c'est autre chose, puisque bien sûr qu'il faut qu'ils se basent sur des évidences scientifiques, mais il y a d'autres considérations qu'ils doivent prendre en compte. Et cela, bon, c'est pas les scientifiques qui peuvent donner le moindre conseil là-dessus. Alors en tant que chercheuse qui a travaillé sur le VIH, en tant que présidente du SIDAction, puisque c'est votre rôle aujourd'hui, vous êtes présidente de SIDAction, vous connaissez évidemment l'importance de la prévention et vous avez bataillé là-dessus depuis 30 ans. Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, il a dit à un moment, il a passé une note au président qu'on avait publiée dans Mediapart en disant que la société n'avait pas été associée à cette crise sanitaire et que c'était peut-être à l'origine de nombre d'incompréhensions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je suis complètement d'accord avec Jean-François Delfrécy, mais alors, à 300%. C'est aussi nos leçons, peut-être, du VIH-SIDA. On a eu l'habitude, nous, dans la communauté VIH-SIDA, de travailler tous ensemble, y compris, justement, avec des représentants de la société civile, avec des représentants des usagers, des patients. Et on sait toute l'importance que ça peut avoir justement pour entre autres faire passer des messages d'information au grand public. Et je reste persuadée qu'on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui si on avait associé beaucoup plus la société civile à toutes les décisions. Je peux vous dire que dans le comité CARE que j'ai présidé jusqu'au mois de juillet, j'ai demandé d'associer des représentants de la société civile dans le comité. Malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir des représentants de la société civile et je regrette profondément. Et c'est vrai que Jean-François Delfrécy demandait la création d'un comité de liaison justement avec la société civile et je pense que ça aurait été une très bonne idée de mettre en place ce comité. Pourquoi ça n'a pas été fait à votre avis ? Ah ça, je ne sais pas. Il faut le demander aux décideurs, parce que c'est eux qui devaient décider ce genre de choses. Françoise Barré-Sinoussi, on a vu les hôpitaux débordés, le manque de moyens, les personnels qui étaient complètement débordés, eux-mêmes malades souvent. La question des médicaments aussi, tiens, qui est revenue sur le devant de la scène avec cette idée d'un pôle public des médicaments, pourquoi pas. Est-ce que le virus ne doit pas nous aider à repenser notre modèle sanitaire de fond en comble, jusqu'au poids d'ailleurs des labos pharmaceutiques qui sont pourtant aujourd'hui en première ligne sur la question de la recherche d'un vaccin? Si, très certainement. C'est pas, j'allais dire, et c'est pas tellement nouveau puisque ça fait des années que nous sommes plusieurs à dire que la politique de santé publique en France doit être vue. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais grâce au SARS-CoV-2, je veux dire, on en prend toute l'envergure de la réalité justement de la situation qui nécessite de revoir complètement notre politique de santé publique en France. J'allais dire pas seulement en France, parce qu'on voit bien que on parle de la France là entre nous, mais la situation dans beaucoup de pays européens n'est pas brillante non plus, et la situation aux États-Unis, vous la connaissez aussi. Donc, ça n'est pas seulement un problème français. Pour moi, on a un problème de revoir toute la politique de santé mondiale, j'allais dire, publique, mais au niveau mondial, car on voit très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, entre autres, de revoir tout ce qui est souveraineté nationale,
en termes de production de médicaments, en termes de production de vaccins, en termes de production de réactifs pour le diagnostic. Tout cela, ce sont des choses à prendre en considération basées sur les leçons qu'on est en train malheureusement d'apprendre de cette Covid-19. Françoise Barry-Simsy, je vous pose une question qui a dû vous agacer pendant des décennies à propos du VIH-SIDA. Quand peut-on espérer un vaccin avec ces articles qui nous promettaient un vaccin tous les mois ou tous les ans? A priori, est-ce que vous pensez que là, on va aller plus vite sur la recherche de vaccins et quand on peut espérer quelque chose? Alors, je ne suis pas devin, je ne vais certainement pas donner de date, j'en ai jamais donné pour le VIH, je ne vais pas commencer à en donner maintenant pour le SARS-CoV-2, parce que je vais dire, ça serait mentir, je n'en sais strictement rien. Ce que je sais en tous les cas, c'est qu'effectivement, tout est mis en œuvre pour accélérer le plus possible la recherche sur le vaccin, pour les autorisations, pour... Peut-être même parfois, il en parlera peut-être, accélérer même un peu trop les choses, comme ça peut être le cas, par exemple, en Angleterre aujourd'hui. C'est-à-dire ? Mais avec l'idée d'avoir des volontaires qui seront vaccinés et qui recevraient après du virus pour démontrer plus rapidement l'efficacité du virus. Il y a quelque chose qui est lancé en France, hein, je crois que l'INSERM vient de publier un appel à volontaires. Oui, mais la France ne va absolument pas faire ça. D'accord. Il n'est pas question en France d'aller infecter les personnes vaccinées, qui sont dans des essais vaccinaux. Non, ça, éthiquement parlant, pour la France, c'est inacceptable. Ça a été d'ailleurs dit dans un document que l'on avait fait conjointement, le Conseil scientifique et CARE, qu'il n'était absolument pas question éthiquement parlant, c'était inacceptable de le faire. Et de toute façon, ça n'était pas non plus une solution pour connaître toute l'efficacité des vaccins. Donc oui, les choses s'accélèrent parfois peut-être un peu trop vite dans certains pays. Dans d'autres, je dirais, c'est bien que ça s'accélère. On a une dizaine de vaccins aujourd'hui, de candidats vaccins en essai d'efficacité en soi, qui ont démarré ou qui démarrent, et on peut espérer avoir des résultats, je dirais, l'année prochaine. Mais les résultats, ça ne veut pas dire qu'ils seront positifs. Hein. Mm-hmm. Je ne sais pas si le vaccin marchera ou pas, ou un ou deux vaccins marcheront ou pas, mais en tous les cas, on aura des résultats. L'Institut Pasteur à Lille, je crois, a identifié une molécule existante qui aurait des effets sur le Covid. Pour l'instant, elle n'a pas été nommée pour éviter, je pense, une ruée dans les pharmacies. Est-ce que ça pourrait être rapide? Alors là, c'est pour le traitement, c'est plus pour la prévention. Oui, pour l'instant, ce sont des études en laboratoire, en culture de laboratoire. Donc, ils vont commencer, à ma connaissance, des essais thérapeutiques randomisés. Va falloir attendre les résultats des essais cliniques et on croise les doigts pour que ça marche. S'il y avait un message, vous n'êtes plus en situation de parler à l'oreille du président, en tout cas aussi directement que quand vous étiez, aussi officiellement que quand vous étiez présidente du CARE, entre mars et juin. S'il y avait un message aujourd'hui que vous voudriez passer au pouvoir public, alors qu'on voit bien que, regardez nous-mêmes, on est en visio, hein, voilà, on voit bien que la pandémie repart en France en cet automne, quel serait-il ? Ah, pour moi, le message le plus important pour moi, c'est améliorer votre communication auprès du grand public. Et pour cela, il n'y a qu'une solution, faites participer la société civile. Message clair, donc passé au président, on espère qu'il entendra. Merci beaucoup Françoise Barry-Simsy aussi, virologue, prix Nobel de médecine en 2008. Merci beaucoup d'être passé par À l'air libre. Merci à vous. Bonne soirée. Merci.
Et si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, ce n'est pas grave, voilà ce que vous allez pouvoir lire en vous abonnant dès ce soir. On continue avec le Covid, cet article de Rougui-Atassal sur le risque de report de soins pour les patients non-Covid à l'hôpital. Si la deuxième vague sature de nouveau les hôpitaux, que vont devenir les autres malades? Des déprogrammations ont déjà commencé. Un article à lire ainsi que l'ensemble du dossier spécial qui est mis en ligne ce lundi sur l'hôpital face au Covid. On le voit s'afficher. Alors que les députés se penchent sur une réautorisation des néonicotinoïdes, Amélie Poinceau a interrogé Vincent Bretagnol, directeur de recherche au CNRS. Pour lui, il n'y a aucun doute, il y a bien un consensus absolu sur les effets néfastes de ces substances sur les abeilles et les invertébrés. Dans le club, enfin, notre camarade Cécile Donny dresse un premier bilan de notre appel à témoignage sur les difficultés d'être au chômage en période de crise sanitaire, période de crise économique aussi, vous le savez. Une cinquantaine d'hommes et de femmes ont déjà témoigné de leur galère. Nous avons aussi besoin de vos témoignages, d'autres témoignages. Alors, écrivez-nous à l'adresse indiquée sur ce billet. Voilà, à l'air libre, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à l'équipe de réalisation qui a permis ce tournage en télétravail. Je vous retrouve demain au Laker et prenez soin de vous, bien sûr.